pas beaucoup plus grand. Des hautes et basses œuvres étaient exécuteurs, et pour les basses œuvres était à la hauteur. N'avait jamais de trêve et jamais de repos, car en place de grève, il faisait son boulot. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête. C'est peintre d'idiot, ça salit mon billot. Pour nourrir ma vieille mère, je sais, Paul ou Pierre, d'un geste un peu brutal, craque, sans penser à mal, sentimental, pour oh, aïe, aïe, aïe. Un soir de sa fenêtre, la belle du fossoyeur, elle a l'homme des têtes, et lui ouvrit son cœur. Depuis longtemps, c'est vrai, de transport flamme, à vous venir au vigoureux. Je vous lance une conte du haut de mon balcon. Mais qu'imbécile, c'est un ordre. Allons, exécution. Pourtant couper les têtes, disait-il, ça m'embête. C'est un truc idiot, ça salit mon pignon. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre. D'un geste de brutal, crac, sans penser à mal, mon sentimental, oh, 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 oh. À partager sa couche, la belle l'invita. En quelques coups de hache, il a vu l'évita. L'époux au bruit du bris survint un peu inquiet. Il partagea le mari pour garder sa moitié. Comme la dame inquiète suggérait, taillons-nous. Taillons-nous. On lui coupa la tête et se trancha le cou. Pour toi couper des têtes, disait-il, ça va mettre. C'est un truc idiot, ça salit mon billon. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne pour l'oublier. Ma reste un peu plus tard, craque sans penser à mal. Au revoir. Prince, prenez grand soin de la douce Isabeau. Qu'elle n'ait trop que besoin d'un petit bourreau.